souvent, quand on vient à la salle de bain, on baisse le rideau jusque là. Là, la chambre de notre fille, et systématiquement, il va falloir fermer ce petit volet, aussi bien la nuit que le jour. Si Dominique vit en permanence les volets clos, c'est parce que depuis quelques mois, son horizon s'est un peu assombri. Voilà ce qu'on trouve. Voilà ce qui a été accepté par l'architecte des bâtiments de France. Moi, j'ai du mal à accepter ça. Je comprends pas. Ce qu'il n'accepte pas, c'est ça. Un immeuble de 5 étages en construction à seulement quelques centimètres de chez lui. Résultat, il n'est plus jamais à l'abri des regards, y compris dans les pièces les plus intimes de sa maison. Un vis-à-vis qui l'empêche même de jouir de son jardin. C'était un plaisir de venir l'été, là, manger dehors. Avec cette construction, ben, on se voit mal partager notre repas avec les gens qui sont à côté. Et Dominique n'est pas un cas isolé. De nombreux particuliers subissent comme lui un vis-à-vis dérangeant, notamment dans les grandes villes où la densité de population augmente en permanence. Mais comment s'opposer à un vis-à-vis gênant? Maître Renaudin, avocat spécialisé en droit de l'immobilier, nous répond. Soit on va attaquer le permis de construire de cet entrepreneur, ce qui empêchera ce constructeur de mener à bien son projet, tout comme on peut attendre que le projet soit terminé pour engager une action civile contre ce constructeur, action civile qui aura pour objet de solliciter la réparation d'un préjudice qu'on ne pourra subir que quand la construction sera terminée. En résumé, pour attaquer un promoteur immobilier, mieux vaut avoir vendu projet de construction très en amont. Sinon, ne reste plus qu'à prendre son mal en patience. C'est le cas de Dominique, qui a porté plainte contre son nouveau voisin il y a déjà plusieurs semaines. Il a été soulevé, justement, ses vues plongeantes et puis l'occultation du soleil. Cette procédure dure depuis trop longtemps. Il y a quand même un préjudice moral, parce que c'est difficilement vivable, ça. C'est pas de l'argent que je demandais, moi, c'était retrouver une qualité de vie. Dominique a déjà dépensé près de 1500 euros et son procès est loin d'être terminé. S'il gagne, il touchera une indemnisation financière pour compenser la perte de valeur de sa maison. Heureusement, les problèmes de vis-à-vis ne sont pas toujours aussi extrêmes. Nicolas habite un premier étage et elle aussi aimerait partager un peu moins son quotidien avec ses voisins. Nous avons des voisins qui sont très proches, en face, puisque nous donnons sur une cour intérieure. Donc on a un vis-à-vis qui est extrêmement proche. Le premier comme le deuxième étage peuvent nous voir, surtout le soir quand nous allumons les lumières dans l'appartement. Nicolas aurait pu simplement coller du film transparent opaque sur ses fenêtres. À 15 euros le mètre, c'est économique, mais pas toujours très esthétique. Pour trouver des solutions simples et pas chères contre son vis-à-vis, elle a préféré courir les magasins avec Isabelle, décoratrice d'intérieur. Je vous présente les Storbateaux en lin. Alors, ils existent plus transparents. Dans le salon, c'est plus agréable de mettre un store parce que les rideaux vont encombrer, vont la gêner. Première solution, poser des stores. Comptez 15 euros l'unité, une solution qui convient à toutes les pièces de la maison, à condition de bien choisir le matériau. Dans une salle de bain, c'est les stores en bois, à lamelles bois. Je trouve que ça apporte un côté exotique. Après, dans toutes les autres pièces, dans une cuisine, vous pouvez en mettre aussi, mais à lamelles métal, parce qu'il faut pouvoir les nettoyer avec les graisses. Deuxième solution, les plantes. Si vous avez la chance d'avoir un balcon et des jardinières, Isabelle préconise des persistants comme le buis. Pour l'intérieur, en revanche, elle opte plutôt pour des bambous qui laissent passer la lumière. Mais attention, la solution champêtre ne convient pas à toutes les pièces. Les plantes, je ne les mets pas dans les chambres, hors de question, à cause des odeurs, des parfums et autres. Ça, c'est entêtant et ça empêche de dormir. Leurs emplettes terminées, ne reste plus aux deux femmes qu'à installer l'ensemble dans l'appartement de Nicolas. Mais pour se protéger du vis-à-vis, on peut aussi opter pour une méthode plus originale. J'avais plus envie de rideaux et donc j'ai peint directement sur mes vitres. En pleine journée, il y a vraiment, on ne nous voit pas du tout. Isabelle habite une maison de plein pied. Pour se protéger des regards des passants, cette fondue de vitrail et artiste dans l'âme a tout simplement repeint toutes ses fenêtres. Quand le soleil se reflète dedans, on a l'avantage d'avoir les couleurs qui se reflètent dans la maison. Aujourd'hui, elle s'attaque à un énième carreau. Et si Isabelle n'en est pas à son coup d'essai, elle a une petite astuce pour les débutants qui voudraient se lancer. J'ai mis du sopalin derrière ma vitre pour pouvoir revoir mon dessin. Sinon, par manque de lumière, je ne vois pas. En moins d'une heure, Isabelle a terminé son œuvre. Je peux la positionner devant la fenêtre. Il y a certains endroits où je peux vous assurer qu'on ne me verrait pas. Entre autres, au niveau du rossignol, là, on ne voit absolument pas derrière.
Imperméable, cette peinture résiste plusieurs années. Isabelle est donc protégée des passants indiscrets pour longtemps. Chez Nicolas, ce sera aussi bientôt le cas. Isabelle installe tout d'abord chez sa cliente les bambous. Vous voyez, le bambou, tout de suite, ça camoufle, ça habille, c'est parfait. Très bien. Si vous voulez, on va le tailler à cette hauteur-là. Le bambou pousse très vite et ça pousse comme du chien dent. Donc ça va s'étoffer très très vite. Moi, je ne vois plus tout le bas de la cour. Voilà. Effectivement, c'est très bien. Pour laisser Nicolas choisir, elle installe les stores en tissu sur une autre fenêtre. Enfin, troisième proposition, les buis dans les jardinières. Pour parfaire le pouvoir occultant, Isabelle rajoute un rideau transparent. Quand on a un balcon, vous pouvez toujours mettre des voilages et qui vous permettront d'apercevoir vos fleurs dehors. Qu'est-ce que vous préférez ? Je préfère la troisième solution, qui est d'avoir quand même le rideau qui est très transparent, qui laisse passer la lumière. Oui. Et avec la verdure qui est à l'extérieur de la pièce, parce que le bambou, d'avoir ça à l'intérieur de l'appartement, c'est assez salissant. Je préfère ce rideau-là. Nicolas a enfin trouvé une solution pour ne plus subir son vis-à-vis. Alors entre les plantes, les stores ou la peinture, il ne tient qu'à vous de faire votre adage. Pour vivre heureux, vivons cachés.